Hop. On est good, tout est bon. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu. J'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un petit cast d'une nouvelle CB de la SSW, la E0 contre Fitou. Enfin, la team Fitou. Je ne connais pas Fitou, donc voilà, mais je connais du coup bien la E0. Du coup, bah, ça va être la baston. On va avoir les mêmes génies. Les mêmes génies que la dernière fois. Alors, pour la team de E0, nous avons Palourde, Skyle, 2T, Grim, Virtuose. On va peut-être avoir le Virtuose de la dernière fois qui nous avait fait des étincelles. Qui a vraiment fait des étincelles de fou furieux. Hop. Voilà. Il a fait des étincelles de fou furieux. Du coup, bon, là, vous voyez l'overlay, c'est normal. Attendez, tac. Merci Lethal pour le follow, merci beaucoup mon ref. Vous voyez l'overlay, c'est l'overlay de la précédente CB, c'est normal. J'attends en fait d'avoir de savoir qui va être l'adversaire de Palourde et son perso pour pouvoir les intégrer. Du coup, Palourde, si tu es présent, dis-moi qu'est-ce que tu vas tabasser. Umbrafi, yo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça vaut bien. ZZYB, c'est son pseudo ou c'est puisqu'il y a Pitou, Rafi, Blacktar, Croissant et Pipo Lilico. Donc qui est du coup ce fameux Zib? Ah, j'adore avoir le pseudo des personnes, c'est vraiment Pitou, Pitou, Pitou. Alors je pense qu'on va renommer leur tag comme ça. Hop. Écoutez-moi, on va faire ça comme ça. Le perso, on rajoutera au fur et à mesure. Essayez de vous proposer déjà un overlay qui soit un peu plus logique. Alors, overlay. Ah là, ça marche. Alors attendez, on va masquer ça parce que du coup ça ne sert plus à rien vu qu'il y a la CBS 16W qui est affichée et on est bien et tout est carré, tout est carré. Alors en tout cas nous sommes partis. Parti pour un combat d'anthologie. Par contre, attendez, je vais juste faire un truc. Alors, je vais juste couper ma cam vite fait. Périphérique, tac. Voilà, je la coupe. Parce que je veux juste vérifier quelque chose. Parce que mon écran, je trouve un peu. Je trouve un peu qu'il fait le truc. Genre, je trouve que l'image, elle est un peu trop claire. Ah, voilà, ça m'a l'air un peu mieux déjà. Après, en stream, ça va, ça a l'air de rendre bien, mais c'était. C'était bizarre. Hop là. Pitou. Ok, du coup Pitou. Alors qui a follow? Merci beaucoup Playfor Glory pour le follow. Merci beaucoup. Alors, il va jouer Palutena. Putain, mais Skyle qui carry dans les backstage. Skyle qui carry, sachez-le. Hop. Tac. Et nous avons les bons pseudos et les bons personnages, les amis. C'est parti pour le tout premier match. Let's go, Palutena. Yo, ça va? Bah, ça va très bien, et toi, mon ref? Ça va très très bien, et toi, mon ref? Bon, nous sommes partis direct. Un neutral B qui est trouvé déjà 13%. Ça fait 13%. C'est quoi cette merde? Ok, le forward d'achat, très bien trouvé. Déjà 32%. Le forward air. La bonne spot dodge de Uptilt, mais malheureusement on n'a rien qui pourra follow avec le Uptilt, le nerf. Là pour l'instant ça perd de chercher les combos, ça veut juste mettre des pourcents. Après en même temps je pense que comme les joueurs ne se connaissent pas, c'est un peu la phase de découverte. Le nerf déjà 66% qui est trouvé. Ok le nerf, franchement déjà Palourde qui offre une. Ok le nerf Dragon into nerf. Enfin le EPR Dragon into nerf, je vais arriver. Palourde qui nous a trouvé une très très bonne phase. Ok nerf Bakir qui ne passera pas. Le nerf encore une fois. Le juggle de Palutena, Ness qui est extrêmement. Qui est extrêmement facile à juggle parce qu'il est flotty et qu'il a énormément mal à atterrir du coup par conséquent.
Ça va, je suis tranquille à regarder ma team massacrer le Fitou. Le Fitou. Avec un bon caster en plus. Bah écoute, ça fait plaisir, mon ref. Le. Oh non! Oh non, pas comme ça! Et pas lourde qui trouvera cette première stock! Vraiment, le yo-yo, c'est vraiment un instrument de con quand même. Hein. Faut dire ce qui est. Qui trouvera cette première stock? Le Neutral B. Neutral B qui peut du coup être absorbé par le Magnet de Ness, donc faire gaffe à pas trop en abuser non plus. Après, c'est la deuxième fois qu'il utilise, mais bon. D'un Strobaker qui sera trouvé, 109%. C'est un Lèche Garde à son pas lourde. La Rico de Ness étant extrêmement prévisible. Oh, le Lèche Trump! Le Lèche Trump de la part de Pitou! Pitou qui prend ses stocks, qui lui dit « Non, tu m'as mis un yo-yo, moi je te mets un bouclier dans la gueule, rien à foutre. » Et en tout cas, vraiment, une première stock très disputée des deux côtés. Ok, la patience, le nerf. Ah, malheureusement, on n'aura pas réussi à follow le upper. Le back air. Pas lourd qui a un très très bon désavantage, mais malheureusement, Ness is Ness. Et les avantages de Ness, bah, c'est pas fou. Ok, on essaie d'atterrir agressivement à des hitbox. Ok, dash attack qui ne passera pas à côté de Palutena. Le magnet. Le reverse magnet, en vrai, c'est tellement fort pour pouvoir changer son... comment ça s'appelle ? Son impulsion, son angle de direction, enfin... changer son momentum, quoi. On n'ira pas punir. On a peut-être un peu trop peur de punir Larry Codness. En même temps, c'est vrai que... si on punit mal Larry Codness, on peut se faire... Oh, dommage. Il n'y a pas eu de punition, mais c'était très très bien joué. Mais si on punit mal Larry Codness, c'est vrai que du coup, on risque de, bah, de mourir, tout simplement. Mais, mais il te fait des two frames au down tilt, Pitou, what the fuck? Mais il en a rien à foutre. Je me suis dit, première stock, ouais, pas lourde, il a l'air d'être en confiance. Mais là, pas lourde, voilà quoi. Pitou, il est dedans, je parle pas de la game. Hein. Pitou, il est vraiment dans pas lourde, là. Hein. Ah, et déjà, premier match qui nous offre des belles choses. Ok, l'air dodge qui sera trouvé. La bonne patience de la part de pas lourde. Quel forward air. Le saut qui a été cramé. Ah, malheureusement, on ne punira pas le B sur le ledge. Enfin, sur le terrain. Attends, c'est le fer. Oui, c'est dedans, c'est le back air. Ok, my bad. Ok, on veut tenter des douilles avec pas lourde. Le back air. La bonne attente. Le yo-yo. Ah, dommage. Ça a déconnecté, what the fuck? Ah, Ness, c'est vraiment un perso lotière. Malheureusement. Je pense vraiment que Gact qui joue Ness, il devrait changer de perso parce que son perso va l'emmener au fond. Le yo. C'était un TK, bien évidemment. Le yo, du coup, qui est le. Alors, il me semble que c'est le up smash, là, vu comment c'était positionné, ou le down smash, peut-être. Mais le yo, qui est un énorme outil d'edgeguard pour Palutena, c'est vraiment super fort. Ouh! Le down smash! On a voulu ridiculiser son adversaire ici. Hop, attendez, la régie change les points. Oh, le. Non, mais. Pitou is what the fuck? Is a good raflo? Non, par contre, Pitou qui nous a fait un. Qui a fait un truc à pas lourd, là. Dans le back air, il nous a fait des two frames. Bien joué. Franchement, Pitou nous aura offert un très bon premier match. Un très très bon premier match. Et du coup, Pitou qui élimine le premier monde de 0, du coup, pas lourde. Qui va être le deuxième, du coup? Qui va être le deuxième à pouvoir contester Let's go, Pitou. J'espère le Kama va pas frapper. Je suis tranquille avec un bon caster en plus. Ah, le karma, la glory, t'as un petit peu curse, t'as commentateur curse ton joueur, là. T'as un peu commentateur curse ton joueur. Hop, tac. Voilà, et on est bon. J'y ai pensé. Alors du coup, qui va être le prochain à rentrer dans l'arène et à affronter Pitou? La princesse au feu vert. La fameuse. Je suis pas commentateur, il nous a outbrain. Non, pas lourde, par contre, ton... Dexop, j'avoue. Fergory ferme, là. Par contre, pas lourde, je suis désolé. Ton perso du démon avec ton yo-yo, là. Mais comment ton yo-yo a déconnecté, d'ailleurs? Pourquoi ton yo-yo a déconnecté? Quand vous étiez au ledge à gauche. Parce que c'était pas normal, je crois. Ça connecte jamais, le down smash. Bah, pourquoi tu le fais, du coup? Ça me question, hein, du coup, comme ça. Pourquoi tu l'as fait, du coup, si ça connecte jamais? En fait, tu fais juste pour Gib, mais à partir du moment où il t'est revenu sur le terrain, bah... ton vieux perso, là, pas lourde. Ouais, ouais, ouais. Yoloïc! Yoloïc, j'espère que ça va. Ça peut connecter et douiller si j'ai un peu de chance. Ah ouais, la chance, trop bien. Yoloïc, comment ça va? Ici, on caste du Smash Bros. On commente du bon et du délicieux Smash Bros.
Bah, Smash. Mon perso, c'est Héros. Ouais, mais même Héros, il est pas autant basé sur la chance, hein. Bon, du coup, c'est qui votre prochain champion? Votre prochain champion arrivé dans l'arène? Ouais, je vois ça, bah ça va tranquille, toi. Bah ça va plus pause, écoute. On est là, on est posé. On avance dans la vie. On avance dans la vie, je commande du Smash Bros. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau, Loïc? Qu'est-ce que tu racontes de beau? D'ailleurs, n'hésitez pas à enlever Adblock si vous voulez que je mange des pâtes. Je rigole. 2T, du coup, c'est 2T, let's go. 2T qui a un excellent Fox. Ah, attendez, je change le pseudo. Paniquez pas, paniquez pas. M'insultez pas encore sur Twitter. Faites pas des threads de pourquoi Marc Aufeu est un mauvais streamer, s'il vous plaît. Hop. Du coup, il joue. Attends, 2T, oui, c'est Fox, oui. C'est le Fox qui avait fait des dingueries à un tournoi. À un tournoi de l'E0. A, B, C, D, E, F. Putain, mes frères, je connais pas mon alphabet, c'est quoi cette merde? Fox, voilà. Non! Pas Ganondorf, Fox, on a dit. Fox, voilà. Bon, du coup, déjà, Pitou qui doit se suicider les deux premières stocks. Et du coup, 2T qui se chauffe. Qui s'échauffe les mains, il a raison, Fox, c'est extrêmement technique. Je raconte que c'est la merde pour trouver un appart. Ah, ouais, non, mais trouver un appart, c'est giga la merde. C'est giga la merde. Je crois en 2T pour être MVP. Ok, dash attack pair? Oh, dommage, deuxième pair qui n'a pas connecté, j'ai à 61%. Dash attack de Fox, qui est vraiment un excellent outil. Le whiff finish, le shield, le tilt. Le petit, encore une fois, le back air qui sera fait enfin en short-up, malheureusement, le nerf. Ouh, 2T, il a faim, il a faim, il a giga faim, 2T. Il est parti pour laver l'honneur de. Que laver l'honneur que Palourde a sali. Ok, le très bon back air, le nerf. Ok, le forward air qui sera très bien trouvé. Ouh, le don. C'était allé si vite, what the fuck. Oh, le donner up smash en nature. La Palutena est devenue un yaourt. La Palutena est devenue un yaourt. Sachez-le. Et c'était excellent de la part de Pitou. De Dodé, pardon. Dodé qui, clairement, il a fait. Attends, de quoi t'as éliminé un 0? Attends, vite fait, tac! Il a fait un petit coup de pied dans sa mère. T'es rapide de fou. Arrête, tu vas curse pas lourd, fais peine. Oh, glory. Aïe, aïe. Mais du coup, pour trouver un appart, c'est ghetto de fou en vrai. Mais tu veux trouver un appart où précisément, Loïc? Parce qu'après, of course, ça dépend du lieu. D'ailleurs, n'oubliez pas, le Prime Gaming est à récupérer pour ceux qui ont un Prime Gaming sur le jeu. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, 2T. Mais j'adore le Fox de 2T. Franchement, 2T, il a un Fox. Je me régale à chaque fois que je le vois. À chaque fois que je le vois, je me régale. Hop. Un petit tour sur Twitter. En attendant. Alors, est-ce que c'est. Est-ce que c'est son vrai pseudo? Je vais péter mon crâne, c'est quoi le pseudo de Kemsok, s'il vous plaît? Ayez les mêmes pseudos sur Switch qu'en vrai, je vous en supplie. Par pitié. Rendez la CB plus facile, je vous en supplie. Croissant, merci beaucoup. Merci beaucoup, Croissant. Tu me sauves, j'en ai marre des gens qui. Pour les CB, c'est pas pratique. Après, les gens font ce qu'ils veulent, of course, mais pour les CB, c'est vraiment pas pratique. Pratique. Du coup, je suppose qu'il joue Terry vu son icône, non? On va voir ça tout de suite. Je suppose que vu son icône, il joue Terry. Excusez-moi. Kazuya! Ouais, j'étais pas loin de Terry. Arrêtez, 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 j'étais pas loin de Terry. Merde, putain, j'en ai même marre de mes clics. Kazuya, Kazuya, Kazuya. Kazuya, mais chez moi. En vrai, s'il a un Kazuya qui est chaud, ça va être problématique pour 2T. Parce que je pense que Fox galère contre Kazuya parce que ça a vraiment. T'as vraiment des forces de fou furieux Kazuya au corps à corps et Fox, bah, ça aime bien le corps à corps. Dash attack, forward air, et 2T qui est en train de me faire mentir, 2T qui.
qui est dedans. Et je parle encore une fois pas de la game. Ok, le... Et il trick? Ah, dommage, ça a pas follow, mais c'était un très très bon début de combo. Ok, le back air. Ça va retenter un back air? Le back air qui sera trouvé. Mais Doté, franchement, il est trop fort. Ce Fox, je suis amoureux de son Fox. Je suis amoureux de Doté, en fait. Down tilt, forward air. Ah, dommage, on a voulu drag dom, mais ça, on n'a pas réussi à avoir les bonnes frames. Dash attack, nair, dash attack. Il veut pas le lâcher, hein. Il veut pas le lâcher. Est-ce que c'est Doté qui va faire l'exploit d'éliminer tout le monde? Afitou? Bon, j'exagère peut-être un peu, je suis un peu ricain. Oh, oh putain, c'est vrai qu'avec Fox, j'avais oublié. Fox, en gros, il peut pas jablock tous les persos, même s'il est dragdon. Ouf! Il est chaud. Même si les dragdon, du coup, Kazuya fait partie des persos apparemment qui ne peut pas. Ouh, le nerf de... Pff, le nerf smash! Je ne peux que gueuler, je ne peux rien dire d'autre. Le nerf smash Doté qui nous fait rêver! On est... Vraiment, il est... Il a le rien à foutre, mais il le lâche pas, regardez-le! Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah, Kazuya qui est malheureusement... Croissant qui est dans la panique. Doté qui est clairement en confiance, il a deux stocks d'avance de toute façon. Même si c'est hyper important de ne pas perdre de stock. Il peut en concéder un s'il peut mettre la pression à son... Il peut en concéder une s'il met... la pression à son adversaire. Et en tout cas, déjà 64%, il n'a pris 95% sur 3 vies. Contre Kazuya! Et il attend l'air dodge, mais. Mais. Ah, dommage. En vrai, Croissant a fait une très très bonne rico là-dessus. Et Croissant qui prendra finalement ses stocks de thé qui ne sera pas invaincu pour l'instant. En termes de stock en tout cas. Oula, le smash. Il a voulu, il y a eu un clip, il y a eu quelque chose. Le nerf. Ok, ça tue pas Kazuya, c'est quand même assez lourd. Attention, on a le revenge du côté de Kazuya, ça peut partir très 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 vite. Sur un combo. Ah, dommage l'électrique, malheureusement, on a beaucoup de rage du côté de Kazuya, du coup, qu'on me connecte pas. Oh ok, ouf! Oh, ça a failli partir extrêmement vite! Si on trouve la revenge là-dessus. Ah, la revenge quand il cancel. Et le Jablock, qui aura terminé ses stocks. Dommage, on avait potentiellement un revenge qui aurait pu permettre. Qui aurait pu permettre un retour. Qui aurait pu permettre éventuellement un reverse 3 stocks. Mais Doté qui aurait été clairement trop chaud. Doté qui aurait été très clairement trop chaud. Hop, le score est bien centré, mais c'est carré. Doté qui n'aurait perdu qu'une vie. Doté up smash. Écoute, comme eBay l'a appelé, c'est le protocole de précision. Le nerf up smash, c'est le protocole de précision. C'est voté maintenant. Mais c'était vraiment. Mon Dieu. C'était si rapide. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Du coup, qui sera le prochain adversaire? Faudrait que Croissant, tu t'en ailles, s'il te plaît, pour laisser la place à ton prochain mate. C'est qui follow? Merci Black Tar pour le follow! Black. Ok, bah ça, j'ai pas mal lu. Merci beaucoup pour le follow, ça fait archi plaisir. Je ne possède actuellement plus de voix, frère. C'est pas de mon âge de commenter des CB. En fait, Skyli veut ma peau, en fait, en me faisant commenter une CB. Par contre, Doté, vraiment, je. Alors, je tiens à rappeler un adage. Doté est un dieu et. Fuck pas lourde. Parce que. Pas lourde, on s'en souvient de la précédente CB aussi, où il avait un peu. Il s'était un petit peu vomi dessus. Après, je dis ça, mais à la place de pas lourde, en vrai, je me serais clairement vomi dessus aussi. Je me serais très clairement vomi dessus. Excusez-moi. Bon. Qui sera du coup le prochain adversaire de Doté? Le Fox chaud bouillant. Là, ça se trouve, du côté de la team Fitou, ça tremble. Ça tremble et il y a de quoi. Le Fox de la E0. Qui a vraiment mis un Fox de fou furieux, par contre. Mais je me demande si jamais il a un Fox comme ça en offline. Parce qu'en gros, normalement, les gens sont plus d'accord à dire que bah, Fox en offline, c'est mieux. Parce que tu peux faire plus de réactions et ça, c'est normal. Mais tu sais, c'est vu le Fox qu'il a en online. Est-ce qu'il a trouvé un moyen de jouer les deux en on et en off? Parce que vraiment, faut qu'il fasse des tournois, faut qu'il fasse des tournois off, le petit père Doté là.
J'adore Ibé qui tweet son qui là en live et tout machin, mais à chaque fois il met twitch.tv/ibé, sauf qu'en fait il met jamais lien. Du coup bah c'est un peu chiant de chercher dans la barre de recherche le truc à chaque fois, tu peux juste avoir le lien. Et du coup Rafi qui lui a le bon pseudo, merci Rafi. Merci. Et qui joue Bayonetta, ok? Fausse contre Bayo, ça va être très intéressant. Bayonetta, elle est tout en haut, ça c'est parfait. Hop. Et c'est parfait, hop. T'es bon. Parfait. Faut que tu te suicides, Doté. Doté, faut se suicider, monsieur. Doté, il est trop chaud. Et même Rafiz, il en a rien à foutre. Il est vraiment très très chaud. Doté commence doucement le off, bah clairement. Par contre, Rafik, il en a rien à foutre qui se bat, mais Doté, tu dois faut te suicider, mon Raf. Que tu as perdu une stock, principe de la crew battle. Après bon tu me diras, Rafi qui se bat c'est... Au pire si jamais il a deux si jamais il perd deux stocks, on considérera que c'est perdu du coup. Ok qui est très très, très bien trouvé le donner. Le hub B. Les pistolets de Bayonetta. Il a pas SD sa stock, oui. C'est le truc c'est que... faudrait que quelqu'un de la E0 lui dise, au hasard Glory, pas lourde. Quelqu'un peut lui dire, ce serait pas mal. Après, il est dans le momentum, bon, je peux comprendre. Ouh, le lag. Le smash. Le smash en nature. Le up smash en nature, hop. Et du coup... Ouh, le bug. Alors du coup, faut que je mette le truc à 10 stocks. Hop, voilà. Comme ça, on se fait pas avoir. Non, mais Ozef MDR, ça se finira quand il perd ses stocks là et basta. Ouais, mais bon, on va dire, c'est le principe, tu vois. Mais oui, là, s'il perd ses stocks, c'est fini pour lui, quoi. Ah. Faudra juste lui dire, parce que là, il a pas l'air parti pour... A voir s'il perd la stock et qu'il continue de jouer, mais bon... Ah, le compte, il sera trouvé, malheureusement. Le smash, ouf! Le smash en attente qui a failli partir le nerf. Malheureusement, le smash était peut-être encore pas trop. Il y avait peut-être pas assez de pourcents. Ok, on essaie de mettre des jumps. On essaie d'esquiver les side B de Bayo parce que sur un side B ça peut partir. Là, ça joue patiemment, ça joue patiemment. La peur peut-être chez Doté parce qu'en même temps, 135% Bayo ça peut aller extrêmement vite. Le père Notoshi qui sera trouvé. On essaie de trouver des backers, mais Rafiki. Ouh! Ouais, et du coup, c'est gagné. Ah oui, ok, donc en fait, tu comptais SD sa stock à la fin. Ok. Ah oui, donc, en fait, il était en mode vas-y, on joue et je. Si je tombe à deux stocks, je. Si je tombe à une stock, je. Ok, d'accord, ok. My bad. Merde. Hop, attendez, je suis en train de refaire les scores, de remettre les scores. Alors, est-ce qu'on est bon? Je mets à gauche. Ouais, si je mets à droite, c'est quand même un peu plus centré. Ça m'a l'air d'être relativement bien. Ouais, t'es plus... Ouais, voilà, comme ça, parfait, c'est centré, c'est Gucci. Et en tout cas, bien joué à Doté, franchement, qui aura enlevé... il a enlevé combien? Il a enlevé 5 stocks. À lui tout seul, c'était insane. Vraiment, Doté nous aura fait rêver. Ça lag de fou. Ouais, ça a lagué un peu. Mais no Jones. Ça a lagué, ça... Ça a pas lagué dans le moment ultra important, donc bon, y a pas là, c'est no Jones. Et du coup, qui sera le prochain adversaire de... Qui sera le prochain E0 à rejoindre l'arène? Cafitou qui ont enfin éliminé, je pense, Doté, l'un des joueurs les plus problématiques de la E0, hein, clairement. Je pense très clairement que c'est l'un des joueurs les plus problématiques. Son Fox est extrêmement chaud. Maskile m'avait expliqué que je crois que c'était l'un des rares à avoir pris une game Maskile, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, des matchs de fou. Vraiment, ça propose du très 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 bon niveau. Ça, je suis content. De toute façon, globalement, les CB. Là, que ce soit les CB ou les tournois en ce moment que je caste, ça propose tellement de niveau. Pardon.
La nuit commence à se faire ressentir. What the fuck? Bon, la E0 là, vous avez peur, vous avez perdu votre champion 2T, du coup vous tremblez des genoux. Aïe. Bah, tu cherches. Faut savoir, notre champion, c'est Skyle ou c'est Doté? C'est Skyle. Mais là, bon, vu que Doté, il a fait un ravage, ça je veux dire, tu vois. Toi, c'est pourquoi vous prenez autant de temps à choisir votre joueur? Je sais que c'est important, la stratégie et tout, c'est important de choisir le joueur, mais bon. Ouais. Généralement, ça prend 2 minutes, quoi. Y a pas de champion. Ah, si, quand même, un peu. Ah, Virtuose, Virtuose, let's go! On va pouvoir voir Virtuose. Franchement, j'adore le voir jouer, vraiment. S'il sort son Ridley, en plus, on va vraiment se saucer de fou. Je vous le dis, on va vraiment se saucer de fou. Alors, ou alors, il va peut-être sortir le Lucario. Nous attendons. Notre champion, c'est Yoma. Yomia. C'est qui Yomia? Shizuka et Doté sont nos 3 meilleurs joueurs et les autres sont vraiment pas loin. Oui, voilà, c'est Shizuka et Doté. Oui, c'est vos 3 meilleurs, mais bon. Enfin, c'est vrai, je connais Doté, bah, je commence à le connaître maintenant. Et Titus, je le connais pas vraiment, donc c'est pour ça, pour moi, en mode, c'est. Skyle, c'est clairement. Comme c'est clairement un bon joueur, je me suis dit, bah voilà quoi. C'est un peu la mascotte. Je peux effacer la discussion? C'est grave bien. Grave bien, on peut effacer la discussion dans le chat. C'est-à-dire que d'un coup, je peux tous vous censurer. Ça, c'est ma France, ça. Son Virtuose va-t-il sortir son Ridley ou son Lucario? De quel personnage je vais tomber amoureux cette fois-ci? Le Lucario! Il est là! Arrobas Armando! Hop. Voilà, parfait! Parfait, du coup la stock ISD normale. C'est là qu'on m'a d'accord les taunts, hein, au cas où. Bon, du coup, Lucario, ça cherche. Bah, pour l'instant, ça. J'allais dire, ça cherche quoi en neutral, mais là, ça. Oh mon dieu! Il y a de pro SDI, mais au combo 60% Bayonetta, c'est extrêmement effrayant. Ouais, peut-être que ça cherche. Ça doit chercher, je pense. Ouais, beaucoup de d'unt-hit, des grabs aussi. Les forward air, c'est un très bon outil de combo. Mais frère, j'en ai marre de bailler. Le fer. Oh putain, mais what the fuck, Rafi, il est trop chaud! Rafi, il lui a fait des choses. Il l'a sorti en dehors d'écran. Il l'a sorti. Toi et tes avis. Moi, Kiro, il me casse les couilles en bloc. Ah, malheureusement, c'est peut-être un peu trop de la part de Virtuose. Oh, le combo qui est trouvé, déjà 54%, ça va tellement vite, Bayo. Le side B back air. Le trabé reverse. Le side B. On fait peut-être des side B un petit peu. Peut-être un peu trop vouloir de side B. Alors c'est un bon coup avec Lucario, je dis pas, mais. Oh, mais what? Attends le nerf? Oh, mais fille. Rafi! Mais what the fuck? Virtuose qui est en train de se faire massacrer! Alors qu'il était parti pour être un joueur difficile à battre! Parce qu'il avait fait des prouesses lors de la précédente CB E0 contre. Je suis complètement oublié, mais E0 contre une autre team. Oh, non, 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 pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça! Rafi qui est dedans, il n'a pas perdu une seule stock du match! Ça cherche. Après c'est Lucario. Ouf!
Neutral B cancel le père, ça c'était extrêmement bien joué de la part de Virtuose. Après Lucario, moins il a stock. Moins il a de stock, plus il est dangereux. Nous ne l'oublions pas. Parce que en gros, ça, l'aura, du coup, bah t'as l'aura en gros. T'as l'aura qui scale en fonction de ses pourcents, mais en fonction de ses stocks aussi. Donc là, il est à une stock, ce qui fait que je me dis que. Oh, CB Lucario, c'est super fort. Dans ce match, malheureusement, qu'il ne sera pas trouvé. Le nerf, le down tilt. Ok, nerf, backer, bien joué. Nerf, backer, extrêmement bien trouvé. Attention, c'est des Shiko Hadoken là. C'est plus juste des Aurasphères, c'est des Shiko Hadoken. Virtuose qui commence à avoir des très bons mouvements, qui commence à être enfin dans la game. Peut-être un petit. Mais pourquoi quand je. Mais pour... pourquoi quand je dis ça. Pourquoi quand je dis qu'il commence enfin à être dans la game et tout machin, il fait peut-être une game de chauffe. Il se suicide. C'est quoi le process? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Tu étais l'élu, Virtuose! Tu étais l'élu! Oh, c'est si dommage. Oh non, c'est si dommage, il a pas réussi à cancel son aura sphère. Ah, Skyle qui se connecte, donc ça veut dire que c'est probablement à Skyle du coup. Hop. Skyle contre Bayo, en vrai j'ai jamais vu Skyle jouer contre Bayo, donc en vrai je suis curieux. En vrai je suis curieux de fou. J'ai mis Skyle mais ça se trouve c'est pas lui qui va venir. Mais c'est dommage, la SD de Virtuose. Et Rafik qui continue, hein. Rafik qui a pris 5 stocks. Et il en est. Il lui en reste une. Il en a pris 5, c'est vraiment c'est bien joué. Pour l'instant, il y a la plus longue win streak d'un côté et de l'autre, c'est 5 stocks chacun. Bien joué. C'est Skyle, j'en étais sûr. Là, ça rigole plus. On envoie l'un des piliers de la E0. On peut faire du storytelling de fou en vrai. Hein. On peut faire du storytelling de fou. Et merci en tout cas d'être autant présent. On est 28, ça fait giga plaisir. Merci beaucoup d'être là. J'espère que le cast vous plaît. Et que les matchs vous plaisent. Après, franchement, les matchs, on a des matchs Gucci quand même. Ça s'envoie de partout, ça se bagarre. Il n'y a pas de on se regarde dans les yeux, rien à foutre. Ça se bagarre. En même temps, c'est un jeu de combat, c'est le principe. Aïe aïe. Mais qu'est-ce qu'il fait Skyle? Ah je me disais. Du coup le Bowser est sorti. Ça ne rigole plus. Et si Rafi bat Skyle, ce serait un upset dans le milieu. Après Rafi est très bon, donc en vrai ça se trouve je dis ça, il a le niveau de Skyle mais. Après j'idéalise un peu Skyle, mais en même temps Skyle a vraiment un niveau de fou furieux. Ses résultats en off sont vraiment très très bons en ce moment et même de manière générale il montrait qu'il avait un bon niveau. Et du coup Rafi qui perd ses deux stocks. Attends ça c'est parti. Le feu qui est trouvé déjà. 38% c'est vraiment une dinguerie. 54% déjà trouvé de la part de Bowser. Les combos vont être très très compliqués à trouver parce que le side B se fait en deux temps avec Bayonetta. Le truc c'est que si je shield le premier side B, bah, il aura temps de faire son up B. Ok, très très bon combo, j'ai 47% trouvé. B, ça attend l'air dodge. Oh ouf. Side B forward air, ça n'aurait pas tué, mais ça aurait mis vraiment Skyle en danger. Ah, on a voulu backer auto shield, mais Rafi n'est pas né la dernière pluie. Alors, on aurait peut-être mérité un petit side B auto shield. Le pari sera très bon. Rafi qui bouge de partout, qui joue de ses mouvements. Il sait très bien que même si Bowser est assez rapide, c'est compliqué pour Bowser de suivre un perso qui bouge partout. Oh ah oui, les grosses couilles de Smash qui a failli partir. Mais le side B, la plupart des coups de Bayonetta ont une sorte de hitbox disjoint. On attend l'air dodge encore une fois le forward Smash. La guette de Patak. Clairement, pour le coup, Rafi, il fait peur. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux et malheureusement, il a bourré. La bonne DI. Ah, malheureusement, je crois que même la bonne DI n'aura pas suffi. Et Skyle qui sécurise ses stocks. Ça a failli être chaud. Il aurait pu en perdre une. Rafik aurait vraiment pu faire un kill streak de malade. Il aurait vraiment pu faire un kill streak de malade. En tout cas, très très bien joué. Franchement, Rafi, un excellent joueur, une très très bonne bio. Et Skyle qui arrive et qui met fin en rêve.
C'est... on mange, pourquoi regarder Men's Edge quand il y a la CB finalement? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi être aussi corrompu? Alors, je suis sur Twitter vite fait, je retweet les Twitch, les trucs. Excusez-moi. Je suis sur Twitter, je retweet les streams Smash. Aïe aïe aïe, Ryukai. Ryukai qui a gagné un très bon tournoi. Il a gagné combien? Il a gagné la UTT Arena. Il a gagné 400 balles. Il se met bien le ref. Il se met giga bien. Et du coup, c'est Wallwidget. Alors. Bien évidemment, c'est pas le pseudo qui correspond. J'ai envie de crever. Wallwidget, c'est qui? Ah, du coup, on a Pitou, Rafi. Et Pitou, Rafi et Croissant. Du coup, ce serait soit Pipo Lélico, soit Black Tar. Pipo Lélico, merci beaucoup, vous carriez. Vous carriez, les gens. Pipo Lélico. C'est un très bon pseudo, en tout cas, j'aime beaucoup. Pipo Lélico, c'est vraiment. Je trouve que c'est mignon comme pseudo, en fait. Et du coup, qui nous tue, mon cher Pipo Lilico? Nous verrons ça tout de suite. Il joue Dark Samus. La Dark Samus. Hop, l'overlay, là, ne vous inquiétez pas avant que le match commence, mais cette prod est fabuleuse. Du coup, Pipo Lilico contre Ciel, c'est parti. Là, dans ce cas, il doit passer ses deux stocks. On cherche à bait des jump, le petit qui sera trouvé, le neutral B reverse, mais what? Les bombes ça. Ah, c'est des missiles! Putain, les missiles c'est super fort! C'est super fort contre Bowser! Ah, dommage, pour avoir des grab qui ne passera pas. On attend le donner, malheureusement, c'était un peu trop bourré, l'excellent backer de la part de Pipo Lilico. C'est compliqué. On va faire, on va faire avec, on va faire avec. Il a fait les bombinettes. Les bombinettes en neutral, en vrai, ça peut être utile, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus utile en ledge trap généralement. De bonne patience, The Skyle. Ça veut pas trop y aller parce que Dark Samus, parce que Samus, bon, enfin, bon, Samus de manière générale, ça peut vraiment aller très très vite. Et du coup, les différences entre Dark Samus et Samus, elles sont assez fines. Sauf que Dark Samus, vu qu'elle charge son neutral B un peu plus bas, elle peut tout frame plus facilement avec son neutral B. Je crois que sa roll est un peu plus lente. Puisqu'elle est un peu plus flottie, entre guillemets. Et je crois que en gros, son saut. Quand elle saute son deuxième saut, elle saute en faisant entre guillemets, en y mettant entre guillemets tout son corps. Alors que Samus, quand elle saute, elle se met en boule. Du coup, voilà, c'est un peu une question d'hitbox. C'est un peu ça. Et du coup, Sky qui prendra cette première stock. Le plus dur, c'est pas de mettre les pourcents à Bowser, le plus dur, c'est de le finir. Le AB sera trouvé, on sera sur Kalos, c'est en plus très très bonne DI. Le neutral B, on fonce littéralement dedans, on a peut-être voulu dasher en même temps. La bonne temporisation, les charges de Samus qui est terrifiant, le down smash qui peut tout frame. On essaie de mettre énormément de pression de la part de Pipo Lilico. Mais Sky ne se laisse pas faire, déjà 200%, ça peut vraiment partir. Oh non! Putain, l'air dodge, elle dure si longtemps que ça! Ah ouais, quand je disais qu'elle durait longtemps, je pensais pas que c'était autant dommage. Vraiment, un faux départ sur cette deuxième stock pour Pipo Lilico, c'est vraiment dommage. Ok, cette dash attack qui sera trouvée finalement, qui enlèvera ses stocks à Sky. Hop. Le grab, le throw, malheureusement on pourra pas. On pourra trouver un forward air, ok. Je pensais pas que ça envoyait si peu loin. Le forward air, on aurait peut-être pu tenter un rare back air, mais je comprends que c'était un peu compliqué. Le B, putain, on prend tellement de pourcents du feu de Bowser. Le smash qui sera tenté en rythme, mais malheureusement ça ne passera pas. Dans le throw nair. On esquive le side B de justesse. Le side B, ça aura probablement été la mort. On refait un side B, on relâche bien le charge shot au bon moment. On cherche un grab, dash attack, ça cross up. Neutral B reverse, up B pour entière, c'est excellent. Vraiment, Pipo Lilico, là, qui prend des très bons choix depuis tout à l'heure. Le donner qui s'est retrouvé, le petit hit de mes couilles du donner. La SD du destin. Ouh, très très bon air 2 sur le side B. Franchement, il est ultra alerte sur les side B.
On est face à un Skull qui est un peu perturbé parce que Skull, quand il ne peut pas faire ses side B. Ouais, voilà, vous le voyez, hein, il est. Ouh, dommage. Ça aurait peut-être mérité d'attendre un peu. Vous voyez, il est un petit peu perturbé. On charge le neutral B tranquillement. Le forward air, malheureusement. On aurait peut-être chargé un petit peu trop devant Bowser. On aurait peut-être un petit peu trop flexé. Et du coup, c'est dommage. Franchement, Pipo Lilico qui avait commencé à bien rattraper, mais Skull qui assoit sa domination. Et Pipo Lilico, vraiment, qui aurait été très très bon. Vraiment, il aurait été excellent. Alors, du coup, c'est qui? C'est Blacktar le dernier, logiquement, je pense. Blacktar. C'est un pseudo stylé, ça, Blacktar. Les yeux du destin. On est 33 personnes, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai jamais atteint... C'est la première fois, je crois, que j'atteins le palier des 30. Merci beaucoup, les refs, ça fait giga plaisir. Franchement, vous... Vous me mettez vraiment extrêmement bien. Merci beaucoup d'être autant à regarder un mec qui a des problèmes de calvitie. Qui a des problèmes de calvitie, là, vous pouvez le voir ici. Qui a des problèmes de calvitie. Commenter du Smash Bros, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Merci beaucoup, les refs. Franchement, vous me saucez. N'hésitez pas, si jamais vous aimez mon contenu, à follow. C'est le meilleur moyen de montrer. C'est le meilleur moyen de montrer. De montrer votre soutien. Bon, et bien évidemment, si vous avez des sommes astronomiques à dépenser en dons et en abonnements, n'hésitez pas. Mais bon, par souci de gentillesse, je préfère vous recommander plus de follow que de dons, parce que, enfin, de faire des dons ou des subs, parce que bah, le follow, c'est gratuit. Et c'est un des meilleurs moyens de soutenir de montrer que vous aimez les streamers, de les soutenir. Comment je fais un don au Kama? Ah, Talia, malheureusement. Yo, Zico! Comment ça va, Zico? Et comment ça va, Atal aussi? Attendez, je réponds à un message. Voilà, voilà. Tranquille, toi. Bah, tranquille, 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 un peu malade. Non, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Mais en fait, j'ai l'impression que t'es tout le temps malade, en vrai. Bah, du coup, qui joue Blacktar? Enfin, qui Blacktar joue plutôt, pardon. J'ai acheté le manette Switch, bah, je suis enrhumé. Bah, en vrai, si tu veux, Atta. Si t'es chaud. Je crois que je suis allergique au taf. En vrai, est-ce que demain après-midi t'es dispo, Atta? Ah, attends, je crois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont allergiques au taf, hein, je pense, sans trop hésiter. Il y a la convention demain. Quelle convention? Quelle convention? Paris Manga? Waouh, vas-y, je suis complètement biais d'existence. Ce que je t'aurais bien proposé, si tu veux, on fait la session Smash qu'on devait faire demain, mais... Mais bon. Et du coup, c'est un Meta Knight pour Blacktar. Meta Knight, Meta Knight. Hop. Voilà, du coup, c'est actualisé. Et nous sommes peut-être sur la balle de match de la 0, peut-être sur l'avant-dernier set, enfin, sur l'avant-dernier match de cette CB. Nous verrons bien. En tout cas, Meta Knight sur Bowser, ça doit se régaler. Allez, Sky, n'hésitez pas en... Ah ouais, j'arrive à la fin, moi. Ah bah, malheureusement. Mais du coup, Atta, c'était chaud pour... C'était chaud peut-être demain soir, ça dépend. En fait, ça dépend combien de temps tu vas... Après, si t'es malade, va pas à la Paris Manga, hein, vraiment, ref. Mais t'arrives à la fin, mais t'inquiète, il y aura toujours la rediff au pire. En tout cas, très bon forward tilt de la part de Meta Knight. Ouh, le double. Oh là, c'est tellement satisfaisant à voir. C'est tellement satisfaisant à voir. Hop là. Oula, on maintient beaucoup le shield. Peut-être une information à prendre de la part de Blacktar. Peut-être que les grappes pourront être une bonne idée. Ah oui, ça fait des smash en mode random. Le perk s'est retrouvé le B. Et ça ne tuera pas parce que Bowser. Mais c'était un très très bon combo.
Nerf sur le shield. En vrai, la plupart des coups de méta, ils sont hyper safe. Les billets sont payés, t'es fou. Bah, en même temps, hein. On en parle que Sky a SD pour flex. On est à la. C'est une crew battle, J-Bax. C'est une crew battle. Ouh, le downbeak sera trouvé. Et cette stock qui sera prise, peut-être la dernière stock de la part de Sky. Peut-être la dernière stock de la part de Sky. Après, mais si t'es malade, gros, bon, les billets sont payés, mais bon, si tu veux pas passer un bon événement, c'est un peu dommage, quoi. En tout cas, le Meta Knight qui impose beaucoup de pression. Beaucoup de pression sur Bowser. Attends, Bowser est un perso qui prend quand même pas mal la pression, mine d'autre, du fait qu'il se fasse très facilement combo. Mais Bowser est un perso qui met aussi énormément de pression. Oula, le jumper dodge. Eh oui, c'est Derek chelou, c'est vrai. Bah, c'est Derek chelou, en vrai, c'est le moyen de faire du team contre team, en vrai. Hop, et du coup, la dernière stock de Fitou, peut-être. Peut-être que le Bowser va l'emporter, peut-être que Fitou va réussir à revenir. Mais en tout cas, Bowser avec de la rage, c'est effrayant, 67%. Attention, peut-être prochainement, un Smash ou un Bakar, ça peut être la fin. Mais Tana, c'est extrêmement léger, on n'oublie pas, c'est le poids de Kirby. C'est extrêmement serré, le forwarder qui touche du bas. C'est vraiment honteux, la putain d'hitbox du fer de Bowser, il faut le dire maintenant. Il faut dire les termes. Le nerf qui sera trouvé, le juggle. Le upper, le Bakar qui sera esquivé. Le B qui sera trouvé. Le down B! Le down B qui sera trouvé, c'était excellent. Et Skyle finalement qui perdra ses stocks. Et du coup, on a droit à un dernier match entre Fitou et la E0. Mais du coup, ouais, c'est seulement à faire du team contre team. En fait, c'est 15 stocks et c'est 5 joueurs chacun. Et chacun a 3 stocks. Et tu gardes les stocks au match. Si tu as perdu les stocks, tu. En fait, en gros, tu gardes le nombre total de stocks que tu avais avant de commencer une autre game. Donc, si tu termines avec une stock, tu dois te laisser les deux autres stocks. Wesh, yo, all! Como esta? Alors, du coup, qui sera le dernier? Qui sera le dernier pour le 0? Est-ce que ce sera Dexop ou Grimm, du coup? Bien, et toi? Bah, ça va. Ça va, on est en train de cast ta team. On est en train de cast la CB de ta team. Bien et tout. En tout cas, pour cette game, Black Tark qui va avoir. Ça joue après? Non, je vais aller sur LoL après. Je sais que je devais faire du Smash aujourd'hui, mais j'avoue que j'ai. JPP, je peux plus jouer, je suis malade. Ah bah non! Bon bah du coup, c'est Green. Ouais, je sais que j'avais dit que je jouerais aujourd'hui, mais j'avoue qu'aujourd'hui j'ai pas eu trop le temps, je vais pas mytho. J'ai pas eu trop l'occasion de jouer. Hop. Qu'est-ce qu'il joue Grimm? Ok. Mais de toute façon, je t'enverrai un message quand je pourrai jouer. Enfin, quand je jouerai, j'ai pas que t'inquiète. Salut! Yo Pixus! J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Oui, comment on join? C'est pas une arène ouverte, c'est une CB. Une crew battle. Si de toute façon, si c'était une arène ouverte, t'aurais l'idée. Enfin, t'aurais marqué arène ouverte dans le titre et. Et t'aurais l'idée, le mot de passe. Désolé. Bon. Zizi Cosmic Orb, mais putain. Ça, c'est juste pour me tuer, ça, en fait. C'est ça, votre problème. C'est ça, votre problème. C'est juste pour me tuer, ce genre de pseudo. Allez, Black Star. Encouragez vos joueurs. C'est la dernière game. Black Star n'aura qu'une seule stock pour éventuellement essayer de clutch et remporter la CB pour Fitou. Pour la team Fitou. Pense à soi. À sa Wano. Let's go, Zizi. J'ai envie de vous fracasser, putain. Zizi Cosmic, frère, vous avez quel âge pour vous appeler comme ça? Vous avez quel âge pour vous appeler comme ça, putain? Du coup, Grimm, il joue qui comme perso?
Imagine, tu perds contre un mec qui s'appelle Zizi Cosmic. T'as un mec, son pseudo c'est Vegeta du. Attends, c'était. Vegeta du 93, gloire à la rue, je crois, un truc du genre. T'as des mecs qui ont très sûrement perdu contre lui. Hein. J'avoue, les gars, un peu de. J'avoue, les gars, un peu de maturité dans le pseudo. Ouais, franchement, Moulbit, t'as trop raison. Franchement, les gens, ils sont pas matures dans leur pseudo, ça casse les couilles. Et là, c'est ce que j'ai dit en VOC, MDR. Non, mais chut. Allez, vous passez en stream, les gars, un peu de tenue, bordel de merde. Hop. Ah putain, la E0 vraiment des gamins, hein. Aïe. Bon. Du coup, quelqu'un peut me dire qui Grimm joue, s'il vous plaît, serait gentil. Bon bah Wolf, du coup. Parce que du coup, je voulais faire l'overlay, parce que bon, il était pas actualisé. Hop. De toute façon, on a le temps vu que Blacktar doit SD ses stocks. Il a Lechstrom sans faire exprès. Bon. Et nous sommes partis pour cette game décisive entre la E0 et Fitou. Zizi Cosmic contre Blackstar, j'en ai rien à foutre, je vais le bloquer comme ça maintenant. C'est faux, j'en ai marre très vite. Le smash il sera trouvé. Dash attack. Les combos de Metanes, c'est souvent du dash attack, down throw et tout. Bah voilà, bah exactement. Ouf, ça a failli partir. Wolf, ça doit énormément jouer sur le mouvement. Très beau B-reverse. Ça doit énormément jouer sur le mouvement à Metanes, ça doit beaucoup jouer sur le whiff punish. De toute façon, Wolf, ça veut que ça t'approche. Hein. Ça veut que tu t'approches en vrai. Wolf, ça a des excellents anti-air, ça n'a pas forcément les outils de fou pour engager le combat. Donc ça veut venir. Sauf que après, le Wolf est agressif et n'en a rien à foutre. Ah oui, c'est ça, lâche des hitbox partout, ça en a vraiment rien à... il y en a vraiment rien à foutre ici. Enfin, qu'est-ce que ça bouge bien, Wolf, t'empêche. En tout cas, très bonne dash attack de trouver le smash un peu trop présomptueux, le nerf qui sera trouvé. Attention, c'est chaud, 140% de smash! On aura trop bourré sur le shield, malheureusement. On aura trop bourré. Et du coup, la E0 qui remporte cette crew battle contre Fitou. Franchement, bien joué. Bien joué, bien joué. Un très, 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 très beau. Une très, très belle CB qui a été proposée. Bon, bah, dehors. GG, Weplay. GG's. GG, franchement, c'était une très très belle CB. Grimm qui ira. Pardon. Grimm qui ira mettre un terme à cette CB. C'était très 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 bien joué. Très bon Smash. Et sur ce, les amis, nous allons nous laisser. Désolé pour cette fin stream un peu brute, mais je dois y aller. C'était extrêmement cool, merci beaucoup. On a dépassé un palier. On a dépassé les 30 viewers et ça m'était jamais arrivé, donc ça fait ultra plaisir, merci beaucoup. N'hésitez pas à follow pour pouvoir voir mes prochains streams, ça me ferait extrêmement plaisir bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, des bisous!